En Provençal, les Aimea, est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les L'Émé Les est une commune située dans la vallée de la Durance, en rive gauche, entre Sisteron et Manosque. Les communes limitrophes des sont situées dans trois cantons. Dans le canton d'Aimé, Le Castellet, Maligé, Oraison et Puy-Michel. Dans le canton de Peyruis, arrondissement de Fort-Calpier, Ganagobie, L'Urs et Peyruis. Dans le canton de Volonne, arrondissement de Fort-Calpier, Château Arnoux-Saint-Auban, l'Escale et Montfort. La superficie de la commune est de 6540 hectares, son altitude varie entre 348 et 824 mètres. Le bourg est situé à 410 mètres d'altitude. La commune s'étend sur la vallée de la Durance et le rebord occidental du plateau de Valensol, dont le Pouding forme les curieuses formations géologiques appelées pénitents. La commune compte 2616 hectares de bois et forêts, soit environ 40% de sa superficie. Le moustique tigre, probablement apporté involontairement par des touristes en voiture, est présent au Mé. Il est susceptible de transmettre la dingue et le chikungunya. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton des mai est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991. Basé sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8 de 2011. La commune d'Emé est également exposée à trois autres risques naturels les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune d'Emé est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique celui de rupture de barrage, en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon. Toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion, celui de transport de matières dangereuses. Par route et par canalisation, la départementale RD4 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le gazoduc servant à alimenter digne en gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire, le risque industriel. La commune est menacée par les accidents qui surviennent à l'usine Arkema de Saint-Auban, classée Céveso, Seuillot. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles PPR, de la commune a été approuvé en 2006 pour les risques d'inondation et de mouvement de terrain, et le dit existe depuis 2010. De plus, la commune est incluse dans le périmètre du plan particulier d'intervention de l'usine Arkema. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, en 1990 et 1994. Un seul des tremblements de terre ressentis dans la commune, atteint une intensité macro-sismique ressentie de 5. Sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objet. C'est celui du 22 octobre 1963, dont l'épicentre était situé à Maligé. Le 2 décembre 2019, un des pénitents de la commune, un de ces grands rochers de 3000 m3 environ qui surplombent le village s'est effondré, selon la préfecture qui met en avant les conditions météorologiques très défavorables des derniers jours, une partie du terrain est devenue instable. L'incident est survenu vers 16h15, faisant au moins deux blessés et a provoqué la destruction de trois maisons, et deux autres sont susceptibles d'avoir été endommagées. Une importante rupture de gaz et d'électricité a été provoquée par l'éboulement. La préfecture évoque une cinquantaine de sapeurs-pompiers mobilisés avec des maîtres-chiens. Les opérations de secours sont menées en concertation avec les services de RTM, restauration des terrains en montagne, ainsi que les équipes de GRDF et d'Enedi. Cette commune, comporte de nombreux hameaux et lieux dits, dans sa partie en aval sur la vallée de la Durance. est le hameau le plus important, et possède une école ainsi qu'une salle municipale. Les Pourcelles, hameau plus excentré, possède une salle municipale, mais n'a plus d'école depuis une trentaine d'années. Les Romains nommaient les colosses de pierre, méta, cône en géologie, pyramide, borne. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes au XIe siècle, Metteuse, est interprété de différentes manières, une francisation de l'occitan méa, qui signifie meule de blé, pour désigner les pénitents, selon Ernest Nègre, interprétation signalée en outre par Jacques Astor, qui voit le provençal alpin, méa, meule de foin ou de blé, méateus, les bornes, en référence aux pénitents, selon les féniés, et Daniel Thierry. Au siècle dernier, les habitants de la région prononçaient les mé avec un S sonore. L'amuissement de la finale, Amorcée dès les années 1960, domine nettement aujourd'hui. 2004, on dit actuellement l'Aimé. Histoire, Moyen Âge. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIe siècle. Metz et Lasmi deux en 1098. L'abbaye Saint-Victor de Marseille y possédait au XIe siècle le prieuré Saint-Antoine. L'abbaye de Boscodon y possédait le prieuré de Payerol à partir du XIIe siècle. Après le XVe siècle. Les moines n'y sont plus présents, et le prieuré est transformé en exploitation agricole. L'abbaye de Boscodon possédait aussi le prieuré Saint-Blaise, actuelle chapelle Saint-Honoré. Le prieuré de Ganagobi y possédait la chapelle Saint-Michel, et percevait les revenus afférents. Une place forte se constitue au Moyen-Âge. Elle a ses syndics au XIIIe siècle. Le fief d'Aimé est acheté par le comte de Provence en 1345. Avant d'être intégré à la vicomté de Valerne en 1353, puis, du 14e au 16e siècle, le fief est partagé entre Montfort et Beaufort. La communauté est relevée de la Bailly de Digne. Un consulat lui est accordé en 1560. Le canal du Moulin est creusé au 12e siècle. Il permet d'irriguer la plaine jusqu'à Oraison. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1348. Également à la fin du Moyen Âge, un péage est prélevé sur la route allant vers la vallée de la bléone et Digne, qui était très fréquentée et avait été interdite aux marchands du comté de Forcalquier par le comte. La richesse de la commune venait également de la production de l'huile d'olive l'église était appelée Sainte Marie de l'Huile, ou Sainte Marie de l'Olivier. En 1348, la reine Jeanne, chassée de son royaume de Naples, dut se réfugier en Provence. Pour reconquérir ses états napolitains, elle vendit Avignon au pape pour 80 000 florins et obtint au passage l'absolution pontificale, qu'il a lavé de tout soupçon dans le meurtre de son premier époux, André de Hongrie. Reconnaissante, elle offrit à Guillaume de Roger, frère du pape, le fief de Valerne, qui fut érigé en vicomté par lettre patente en 1350. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayon, Vaumel, La Motte, Bellafère, Gigor, Lauzet, Lémey, Mézel, Entrevenne, et le Castellet. Avec leurs juridictions et dépendances. La famille Beaufort-Cagnac, qui possédait la seigneurie d'Aimé, vivait en Auvergne. Elle déléguait un intendant très sévère, d'où une lutte ancienne du village, pour racheter des droits aux seigneurs, et ainsi diminuer la pression fiscale en 1519, rachat des moulins, des fours, du droit de dérivation des eaux, des terres veines en 1551, rachat des terres sensives en 1592. Rachat du droit de juridiction directe, des droits de péage, du château en ruine en 1660, rachat du moulin à farine. La commune possédait également la moitié des droits du bac, et en percevait les revenus. En 1571, la communauté engagea dans de Craponne pour construire une nouvelle prise d'eau sur la Bléone, alimentant le canal d'irrigation. Les terres du bord de la Durance et de la Bléone appartenaient à l'église plusieurs centaines d'hectares et étaient irriguées par les eaux du canal du Moulin. Afin de maintenir son influence, elle entretient jusqu'à 18 prêtres dans le village. La réforme connaît un certain succès au mai, et une partie des habitants se convertissent. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Mais les pressions de toutes sortes venus du Parlement et de l'Évêque, entraînèrent sa disparition avant le début du règne personnel de Louis XIV, 1660. En 1649, lors de la fronde, le village se révolte en soutien au Parlement de Provence, il est maté par un régiment de cavalerie de Digne, et paie 6000 livres d'amende. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle. Bien qu'aucune source n'atteste l'existence d'une loge maçonnique, au mai avant la Révolution, il existait une chambrée, réunissant la bonne société. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise et l'hiver 1788-89 très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe. Et a provoqué une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute se produit au mai le 25 mars, causée par la cherté des grains. Un groupe de paysans, dont des paysans aisés, des ménagers, auxquels se joignent d'autres pauvres, se rassemble et menace verbalement les possédants assez violemment, mais aucun passage à l'acte n'est relevé. Une deuxième émeute a lieu le 26 avril, ou de la même manière, on parle de mettre à mort les bourgeois, on bouscule un gendarme, mais là aussi aucun blessé n'est relevé. Dans un premier temps, la réaction consiste dans le rassemblement d'effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont diligentées, mais n'aboutissent pas, la prise de la Bastille comme les troubles de la Grande Peur provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Lorsque la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement. Mais provoque un phénomène de peur collective d'une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Talar et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint la région de la Motte le soir du 31 juillet 1789. Les consuls de la communauté sont prévenus qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence après avoir pillé le Dauphiné. De l'autre côté, une colonne de piémontais remonterait la vallée de la Durance, après avoir approché de Malmore piller Cadenay et attaquer le bac de Pertuis. Les consuls font lever une milice de 400 hommes, et surveiller les bacs du loup, des May à Ganagobi, et de la Briane. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. Durant la Révolution, la Société patriotique de la commune y est créée pendant l'été 1792. Elle accueille la première Assemblée Générale des Sociétés Populaires du Département Les Entre 14 et 15 juillet 1792. La chapelle Saint-Roch est vendue comme bien national. En mars 1793, 20 volontaires sont envoyés à l'armée, la commune donne 500 livres à chacun. En 1792 à 1793, la section des Mets est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le conseil municipal est dissous en 1798. Proclamation contre le coup d'État de 1851 dans les Basses Alpes. De ce passé autonomiste et progressiste, la ville tire une solide tradition républicaine, et résiste au coup d'État du 2 décembre 1851. Lors des opérations militaires de la résistance au coup d'État, André Elodie de Volks choisit d'affronter les troupes de Bonaparte, au mai, certains du soutien de ses habitants, et y remporte une victoire le 8 décembre, après laquelle les insurgés se dispersent. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 22 habitants d'Aimé sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. André Hello, quant à lui, sera condamné au bagne, où il finira ses jours. Comme de nombreuses communes du département, l'Aimé se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède deux, installées au chef-lieu et au village de Dabis qui dispense une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi fallou 1851 qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy 1867 qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne sont appliquées par la commune, et ce n'est qu'avec les lois Ferry que les filles d'allon sont régulièrement scolarisées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1940, un camp ouvromé pour accueillir deux groupements de travailleurs étrangers, GTE, internant et soumettant au travail forcé des étrangers, jugés indésirables par la Troisième République, et par Vichy. Les deux GTE sont les 203e et 702e. Une des deux compagnies internées des Républicains espagnols, l'autre des étrangers. Un détachement de 70 hommes était interné à Fort Calquier, un autre travaillait à la mine de charbon de Sigonce. Ce camp ne ferme qu'à la libération. Jeandienne et sa femme Marie-Jeanne avec sa belle-mère Elisabeth Roubinet, sauve des Juifs de la déportation et ont été pour cette raison distingués comme juste parmi les nations. La libération des May est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie US le 19 août 1944 venant de rier par la vallée de la Durance. Lieux et monuments remarquables. Monument commémoratif. Un monument aux résistants au coup d'État du 2 décembre 1851 des basses alpes est élevé sur la fontaine du village. Un monument à Pasteur est élevé devant l'école, en mémoire de son action contre la pébrine qui touchait les vers à soie, élevage important dans la région au XIXe siècle. Le monument aux morts de la guerre 1914 à 1918. Architecture civile. Granges anciennes à la ferme de Peyrolles. L'avoir, rue Clovis-Picon, construit en 1902. L'hôtel de Croz est un monument historique inscrit depuis le 21 février 1989 107. Le premier pont suspendu sur la Durance est construit en 1841 à 1843, pour remplacer le bac du Loup, en face de Ganagobi. Concédé à une société privée, la Société du Pont, il est emporté en 1843 par une crue de la Durance le jour de son inauguration. Le bac est remis en service jusqu'en 1857 et la mise en service d'un nouveau pont sans péage. Décidé en 1846. Il est alors constitué de deux travées de 82 mètres de long, supportant un tablier de 5 mètres de largeur, en mêlèze. Il est testé à l'épreuve de 16 wagons remplis de pierres pesant 82 tonnes. En 1878, la circulation est limitée à une voiture de moins de 3 tonnes à la fois, puis il est renforcé de câbles supplémentaires en 1904 et restauré en 1941. Le bombardement par les Alliés, les entre 15 et 16 août 1944 échouent et fait sans morts à Digne et Sisteron. La résistance se charge alors de détruire une travée. Après la guerre, une passerelle piétonne provisoire est établie, avant la construction d'un nouveau pont en poutre en treillis de type Warren, en 1952 à 1956. Ce pont, qui est l'actuel pont, est long de 172 mètres, avec une chaussée de 6 mètres de large et des trottoirs de 1 mètre. Les rues du village offrent quelques maisons de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Rue Font Neuve. Se trouve une porte sculptée d'éléments architectoniques mi xviie siècle. Les anciennes mairies et tribunales possèdent une cheminée de gypserie ornée de motifs floraux. L'hôtel Latil d'Entraigues, ou Hôtel de Trimont, possédait des rossaces au plafond, des dessus de portes en gypserie, déposées ou cachées par une restauration. Architecture militaire, des éléments de fortification subsistent, dont un passage voûté formant porte au bout de la rue d'Anville. Architecture religieuse, la chapelle Saint-Honorat, est classée depuis le 20 janvier 1983. D'architecture romane, elle est située près du village de Payrolles. Le cœur est bordé de chapelles, qui forment un faux transept. Elle est entièrement voûtée en berceau. Le tympan du portail occidental est monolithe. Elle est déteuble du XIIIe siècle. En mauvais état, le clocher-mur est partiellement tombé, la façade est ornée d'un œil de bœuf. Elle fut au XIXe siècle l'église paroissiale du plan d'Aimé. La commune possède de plus trois objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques au sein de l'église paroissiale. L'hôtel en marbre, classé depuis le 25 juillet 1988. Deux autels latéraux en marbre, classés depuis le 25 juillet 1988. Un tableau représentant la Vierge protectrice. Datée de la première moitié du XVIIIe siècle, d'abord attribuée à Van Loup, puis à Michel Serre, classé depuis le 19 juin 1908. Le temple, d'époque Renaissance, subsiste encore, la façade est ornée d'un fronton, soutenu par deux colonnes lisses et vermiculées. Les ruines de la chapelle Notre-Dame de Champlain, construite en galets, nef, et moellons, abside, marquent un lieu d'implantation antique. La chapelle Saint-Pierre, au sud du village, entre le canal EDF et le plateau de Valensol, datait du XVIIe siècle. La chapelle Saint-Roch est à la sortie de la combe à l'est du village. Ancienne chapelle du Saint-Sépulcre, elle date de la fin du XIe siècle ou du XIIe siècle. Appartenant à un propriétaire privé après la Révolution, puis à la commune, elle a été plusieurs fois rénovée depuis 1960. La chapelle Saint-Michel, au hameau Saint-Michel, est implantée sur un site antique. L'église paroissiale Notre-Dame de l'Olivier, démolie en même temps que Saint-Félix en 1562 par Paulon de Mauvent, est reconstruite en 1593. Le chœur est voûté d'ogives. Sur le flanc nord, une chapelle de trois travées de longueur, peut-être un ancien collatéral, est composée de deux parties une travée sous-croisée d'ogives, dont les fines colonnettes sont ornées de feuillages, et les deux autres, également sous croisée d'ogives, mais plus anciennes, et avec des colonnettes engagées. Difficilement datables, elles sont construites entre le XVIe siècle et 1651. Le clocher massif, construit en galet en 1560, porte une horloge, son campanile de ferronnerie, est composé de deux étages ornés de volutes. La chapelle Saint-Michel, construite au XVIIIe siècle, est utilisée comme bâtiment agricole. Elle est située au quartier Saint-Michel, et succède au prieuré Saint-Michel, appartenant au monastère de Ganagobie. Daniel Thierry la note comme disparue.